J'ai la chance d'œuvrer dans un domaine encore jeune, toujours à définir, pas vraiment fixé, qui est celui de la recherche-création et plus spécifiquement de l'enseignement de la création littéraire à l'université. Je suis l'auteur de 13 ou 14 romans maintenant, autant pour les adultes que pour la jeunesse. Et j'ai fondé à l'université une revue aussi des créations littéraires qui s'appelle « Le crachoir de Flaubert ». En fait, quand j'écris un roman, l'inspiration me vient évidemment de ce que j'ai vécu, mais pas d'une manière précise. Mais c'est de prendre effectivement une partie du réel et de le réinterpréter par le biais de la fiction littéraire. Depuis 350 ans, l'Université Laval a toujours su s'adapter à l'évolution de la société. Je pense que l'arrivée des artistes et des écrivains à l'université et le développement de programmes spécifiques de création en art et en littérature en est la preuve, je dirais, la plus récente.